Eh bien, bonjour et bienvenue à tous, je suis Franck Payen, je vous accueille aujourd'hui sur la chaîne YouTube Adobe France et je suis accompagné de Clément Barbet. Bonjour. Bonjour Clément. Clément est illustrateur, directeur artistique, graphiste. Exactement. Un peu UX aussi sur le bord. Un peu UX, un peu de tout, ouais. Un peu de plusieurs choses. Ouais. Plusieurs choses, plusieurs casquettes. Sujets. Beaucoup de casquettes. Est-ce que c'est pas dur à porter autant de casquettes? Ça fait mal au cou, mais ça va. Bien. On s'en sort. C'est une bonne chose. Je te reçois aujourd'hui parce qu'on regarde tes travaux depuis un certain temps. Il y en a d'ailleurs juste derrière nous, sur le mur. Exactement, ouais. C'est bien imprimé. C'est bien imprimé, ouais, t'as vu. Ouais. Hein, et à chaque fois, je remets un coup de peinture. Ouais. c'est la magie du truc. Et du coup, ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'était un petit peu ton travail, ton parcours, comprendre un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Tiens, je me fais des petites blagues en plus. Mais je te montrerai après pourquoi je me suis fait des petites blagues. D'accord. Parce qu'il y a encore écrit Frédéric Vigneault là-haut. Ah. Et j'étais persuadé d'avoir le PNG que j'ai pas. Et que je vais m'envoyer tout à l'heure. C'est pas très grave. Moi je voulais regarder un petit peu comment tu fabriquais ça pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre un petit peu comment t'es arrivé à ce style-là, comment t'as développé tes illustrations. Évidemment, les outils sur lesquels tu travailles, parce que c'est quand même assez cool de pouvoir, comprendre qui sont les illustrateurs, comment ils fonctionnent. Et puis comme on est sur la chaîne YouTube Adobe France, il y a largement moyen de s'inspirer et de suivre tout ça. Donc on va regarder ça tranquillement. Alors, je fais mon petit échange de tout à l'heure. Hop, je vais juste repasser sur le petit InDesign qui va bien pour exporter le morceau que j'étais persuadé d'avoir exporté dans le bon format. C'est quand même ballot, non? Du coup, ça me permet de poser la question aux gens qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube Adobe France? Est-ce qu'il y a des nouveaux ou que des anciens? Alexandre, Zach, Babacar, Frédéric, Diallo, bienvenue Hello. Aux uns et aux autres. Bonjour tout le monde. Est-ce que... Qui ici fait quoi? Est-ce que vous êtes plutôt des illustrateurs? Est-ce que vous êtes des touche-à-tout, graphistes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et quels sont les outils que vous utilisez? Est-ce que vous connaissez Illustrator? Parce que c'est beaucoup d'illustrateurs quand même. C'est pas mal d'illustrateurs. Et un peu de Photoshop aussi. On mélange un peu les deux. Et puis maintenant même aussi un peu de Fresco. Peut-être en parler tout à l'heure. Mais tout récent alors. Fresco, tout récent. Parce que c'est exactement. Fresco, il est arrivé chez nous au mois de septembre. Ouais. Et donc, t'as commencé à un peu le prendre en main, regarder comment alors, il fonctionnait. Ouais, tout récemment et c'est assez chouette. Donc, peut-être qu'on pourra regarder ensemble rapidement tout à l'heure. Et c'est pas mal du coup pour se faire aussi une petite base avant de commencer la grosse illustration, de faire des roughs, essayer plusieurs options. Voilà, ça permet de bosser assez rapidement quand même, et c'est plutôt cool. Carrément. Hop, j'ai glissé ça là, je vais le renommer parce que il n'y a pas de raison. C'était écrit Frédéric Vigneault, ouais. Que j'ai reçu en début de semaine, mais qui n'est pas du tout toi. Non. T'as plus je de crois choix. Pas, non. Check. Voilà, et pourquoi il a refusé... Hop, là, comme ça. Remplacer. Et normalement, je peux repartir sur la chaîne et je peux retrouver ce que je voulais mettre en place, c'est-à-dire toi. Voilà, c'est mieux, non? Alors, dans les nouveaux, donc merci. Alors, Alexandre, qui est en bleu, lui, il a le droit de poster des liens. C'est pour ça qu'il peut D'accord. poster le Behance de Clément et son Instagram. Merci. Merci, Alexandre. Tous les autres, laissez tomber pour les liens. On a un bot qui est très réactif. Babacar a découvert il y a un peu plus d'un an. Touche à tout pour Alex. Ouais, un peu de Photoshop, un petit peu d'Illustrator, beaucoup de Photoshop. Pareil. Ouais, 90%. Vous êtes à fond. C'est bien. Bah écoutez, on va essayer d'en donner encore un peu plus à chacun, pour chacun, pendant la session. Hop. Et je vais vous partager les deux liens sur lesquels on te trouve, enfin les deux liens qu'Alex vous a partagés il y a quelques minutes. Tiens, qu'on va se mettre là, sur le côté, en plus petit. C'est bien ça. C'est pas mal comme ça. Et je vais décaler ma fenêtre, comme ça on sera pas devant. Ouais.
Hop. Super. Donc ouais, le premier lien, c'est le lien de ton Behance. Exactement. C'est un peu, il te sert de portfolio. Ouais, il me sert de portfolio. C'est vrai que c'est un outil assez pratique donc, pour montrer ses travaux. Et c'est vrai que je n'ai même pas créé de site encore. Ça me suffit pour l'instant. Et donc, c'est là où je partage pas mal de mes projets en illustration. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup de projets perso, ouais. Quelques projets pro. Quelques projets pro. En illustration. Et voilà. On retrouve pas mal de phases. Il y a des ouais. vieux projets. Ouais, il y a des vieux projets. Ouais, parce que ça fait pas mal donc, de temps que j'aime bien dessiner. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai essayé plusieurs styles. Et donc là, par exemple, sur ce projet, donc c'était vraiment à l'époque où j'étais au stylo noir. Où j'étais dans ma période, on va dire, un peu Macbeth, Ian MacArthur, des mecs comme ça que j'aimais beaucoup. Mm-hmm. Et voilà, un côté un peu tatouage. Un peu tatouage, un peu, ouais, du Charles Burns au niveau des, ouais, aussi, ouais. des rayures. Mm-hmm. Tyler. Non, mais Tyler, c'est vieux. C'est vieux, faut changer. C'était un vieux blaze. T'as renoncé à ça ? J'ai renoncé. Ce que je vois aussi, c'est que tu t'es mis à faire des typos. Ouais. Est-ce que c'était un full-time job ou est-ce que tu t'es fait plaisir ? Comment t'as démarré sur l'idée de faire des typos ? Alors, c'était en cours qu'on a abordé. On avait un cours de typographie. Mm-hmm. Et donc là, par exemple, c'était on devait créer une typographie. On était assez libre dans la création. Il fallait que ce soit modulaire. Ouais. Donc j'avais créé ça sur Illustrator. Je m'étais inspiré de signes un peu tribal, un peu tribaux. Et voilà, j'avais développé ça, ce petit système de typo qui était assez sympa. Un peu évolutif. Exactement. Et ça, c'est pareil, c'est 2013 aussi. C'est à peu près, 2012-2013. Ouais, mars 2013 posté, ouais. En tout cas. Ouais. Et en plus, alors pour les intéressés, on peut encore l'acheter. Ça, c'était la grande surprise. Oui. Pour acheter cette typo. Voilà. On dit, ouais, je sais pas si c'est encore en vente. Et tu l'as vu sur des vitrines. Et je l'ai vu, ouais, sur la vitrine d'un bar-boîte vers République. Ouh là là, donc vous recherchez de samba, le salsa. Le premier qui trouve ça et qui nous envoie, voilà. qui tag Clément sur Instagram. C'est la chasse au trésor. C'est ça, si vous arrivez à retrouver la même. Donc ça, ouais, on peut toujours trouver tes typos. T'en as réalisé beaucoup de typographies ? Beaucoup, y en a quelques-unes, pas tant que ça, mais y en a quand même quelques-unes, parce que j'aime bien l'exercice et... Ça fait toujours plaisir d'en faire de temps en temps. Voilà, j'ai le projet Volcano, qui était vraiment un projet personnel. Mm-hmm. Donc c'était l'idée de faire une typographie vraiment dans le triangle, basée sur la forme du triangle. Alors c'est pas très lisible, mais c'est vraiment pas le but. Mm-hmm. Voilà, c'était vraiment créer quelque chose d'assez graphique. Et pareil, elle est disponible à... Pareil, on peut la trouver... Et par contre, ouais, t'as changé de oui, changé là, de plateforme. C'est plus récent. Voilà. C'est plus récent, là, c'est... Ah, mais du coup, on trouve plus de... On trouve des projets différents. Ouais, exactement. Là, sur Creative Market, c'est un... Ouais, c'est un... Une petite boutique que je commençais à mettre en place avec différentes... soit des typos, soit des petites illustrations aussi. Ouais, parce que j'avais retrouvé tout ton set tropical. Exactement. C'est quoi, c'était un besoin de nature, un besoin d'évasion. Ouais, exactement. C'était un matin, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un peu de tropical et j'ai dessiné un peu tout ce... Dessiné tout ça, ouais. Du Illustrator, PNG et JPEG pour... Exactement, parce qu'en fait, c'est surtout que je me suis dit, cependant l'illustration, on a besoin d'éléments qu'on a déjà fait, et donc en fait, je suis un peu dans une phase en ce moment où j'essaye aussi de me créer des bases de données personnelles. Mmh. Voilà, pas toujours repartir de zéro. Et voilà, ça me sert à ça. Et du coup, je me suis dit, bah, autant les partager. Ouais, parce que du coup, quand on regarde le tropical, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu as repris du tropical dans cette illustration, par exemple ? Il y en a quelques-uns. Un peu les jeux premier, de feuilles. Après, hein. Que j'ai retravaillé. Ouais, ce qu'on voit en premier plan. Et voilà, après c'est retravaillé au fur et à mesure. Mmh. Ouais, forcément, de toute façon, t'as toujours une base d'éléments, soit tu peux les concevoir rapidement, soit tu peux les remettre en forme, remettre en place derrière. Mmh.
Non, c'est cool, ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a dans les gens qui nous suivent, parce qu'on a j'aime bien échangé un petit peu, des gens qui sont mis à la typo, qui ont fait de la typo ou qui font ce genre justement de pack. Je sais pas si tu fréquentes ou tu connais Adobe Stock, parce qu'ils sont, je sais qu'ils sont assez, assez gourmands de ça. D'accord, non, je pas trop. Si jamais un jour vous êtes en recherche, alors pour les gens, alors évidemment, il y a les illustrateurs purs qui ont leur base, comme tu es en train de te constituer, mais il y a des tas de, il y a des tas d'utilisateurs en fait qui n'ont pas forcément, pas forcément les compétences sous la main et qui vont avoir besoin de réaliser des icônes ou d'utiliser notamment pour tout ce qui est interface ou autre. Et vous pouvez tout à fait dire bah tiens, j'ai envie d'avoir du feuillage. Hop. Et quand on va sur Stock en feuillage, ben on va retrouver du feuillage à la fois. Bah ici, je suis dans la partie image, illustration. Je peux filtrer, c'est-à-dire que je peux lui dire voilà, j'ai besoin d'avoir que du vecteur dedans. Ouais. J'ai besoin d'avoir plutôt des choses qui n'ont pas beaucoup servi, donc voire du inexploité. J'ai besoin d'avoir peut-être, je veux pas de personnes dedans. Alors sur le vecteur, c'est plus rare, mais quand même. Et pourquoi pas des gammes de couleurs, même si. On se dit qu'on peut aller, on peut aller un petit peu plus loin dedans. D'accord. Et ce qu'il y a d'intéressant, et là c'est plutôt pour tous les gens qui sont dans l'illustration ou autre et qui nous suivent, c'est qu'on peut vendre en fait les projets. C'est-à-dire que vous avez une partie qui s'appelle contributor.stock.adobe.com et sur la partie contributor, en fait, on va pouvoir eh bien, se connecter. Check, vas-y, continue, connecte-moi. En vrai, il me connaît, mais il l'oublie à chaque fois. Et quand on va être connecté, en fait, on va pouvoir eh bien proposer des fichiers qu'on va envoyer. D'accord. Et sur lesquels, eh bien, il va rajouter des mots-clés, où on pourra l'aider avec nos propres mots-clés. Et derrière, bah, avoir justement une forme de revenu sur les ventes là-dessus. Ok, parce que, super. Je ne connaissais pas du tout et merci de me faire découvrir. Et c'est pas mal utilisé alors par des magazines ou par des agences qui sont en recherche d'achat d'art et qui n'ont pas forcément le temps d'avoir des illustrateurs dédiés. C'est intéressant quand on commence à avoir un petit fond de contenu. D'accord. Voilà. Donc ça, je connaissais pour les photos mais pas trop pour la partie vecteur illustration. C'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas trop quand on le découvre la première fois, quand on va transférer. Il vous propose d'aller poser des images format JPEG, des vecteurs Illustrator, EPS, SVG ou ZIP si vous avez déjà des contenus, et à chaque fois en fait, ou même des vidéos, et à chaque fois par rapport à ce que vous proposez, ils vont vous donner des contraintes, ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez pas mettre. L'idée c'est quand même que tout le monde soit clean au niveau de la loi. Il n'y a pas forcément d'exclusivité sur les contenus. C'est-à-dire que quand tu as commencé sur cette plateforme là, tu peux mettre sur 2-3 plateformes autour et travailler avec. Et voilà quoi, donc tout est plus ou moins explicité sur le site Stock. Ok, je regarderai. N'hésitez pas. Donc ouais, quand on regarde tes projets du début, effectivement, c'est très noir et blanc, très typo, très ça bouge, ça vibre dans tous les sens. Est-ce que c'est des trucs qui... c'est parce que tu étais en train de te préparer, en train de te former, c'est parce que j'aimais bien à l'époque, et puis, puis en fait c'est pas vraiment que je change de style, enfin si je change de style, mais disons que j'évolue, j'essaye de différentes choses, et en fait là je suis en train d'essayer de remixer un peu aussi, de rajouter un peu plus de traits, parce que là j'étais parti dans quelque chose de très à plat, beaucoup d'aplats et jouer avec les couleurs. Et là, j'essaie de remettre un peu de trait aussi par-dessus. Jouer sur le lien couleur, matière. Et puis voilà aussi, effectivement, il y a aussi des tests de matière. Parfois, c'est très vectoriel, parfois, il y a un peu de texture. J'aime bien varier. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir encore trouvé totalement mon style, mais je pense que au final, c'est un agrégat de pas mal de choses et c'est ça qui est cool aussi, hein, je trouve. Il me semble aussi. Il me semble que ça fait partie des trucs cool. C'est pour ça que tu es là. C'est parce qu'il y a du cool, c'est parce qu'il y a des choses à regarder. Qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? C'était sur... sur Coquette, Art Deco Typefaces. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est une typo que j'ai fait de... Voilà, de mon côté, un projet personnel,
Et c'était assez sympa à faire. Parce que là, là pour le coup, là, ça faisait longtemps que j'en avais pas dessiné. Mmh. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose un peu évolutif avec pas mal de ligatures différentes. Ligatures alternées. C'est quoi ton process du coup sur ça? C'est du Illustrator. Illustrator, je dessine toutes les lettres et je me suis pris un petit plugin qui s'appelle FontSelf. Tu m'en retires les mots de la bouche, c'est cool. Ouais. Et qui est hyper facile d'utilisation. Ouais. Très agréable à utiliser, donc c'est pour ça que je me suis amusé à faire pas mal de ligatures, pas mal de variantes de lettres. Et voilà, c'était assez sympa à faire. Pour ceux qui seraient intéressés par FontSelf, alors je vous mets le lien, je sais que Alex vous le refera passer tout à l'heure. Oula, pardon, j'essaye de taper n'importe comment. FontSelf.com il me semble. Vous pouvez le retrouver là. On a reçu Francis Chouquet, pardon. D'accord. Je cherche. On a reçu Francis Chouquet sur la chaîne. On a reçu auparavant Franz Hoffmann de FontSelf. Et donc, si jamais vous avez envie de faire une mise en route sur FontSelf parce que vous vous dites, tiens, ça a l'air cool cette histoire de typo, vous pouvez rechercher directement sur la chaîne YouTube Adobe France, là, hein, dans la petite loupe de la chaîne, pas dans la loupe de rechercher sur tout YouTube. Et vous cherchez FontSelf. Et on s'est fait quelques sessions. Il y a Franz qui est venu. J'ai fait de la création et de l'usage des typos, on a refait du contenu, il y a Francis Chouquet qui est venu présenter un peu son taf. Donc pour les gens qui aimeraient bien s'y mettre, vous verrez, c'est ultra simple, ultra efficace, et ça permet de faire des trucs jolis, même, et étonnamment, donc des typos en couleur, ouais, en couleur. Des typos pixels. Pour les gens qui seraient intéressés parce que vous êtes plutôt en mode peinture ou autre, il y a très largement moyen de faire ça. Vous irez jeter un œil, je pense qu'il y a... Voilà, il y a des choses à explorer, en tout cas pour tous les gens qui nous suivent et qui sont dans la partie un petit peu graphisme, image. Ouais, tout à fait. Il y a déjà du FontSelf. Merci Alex pour les liens. TMPX nous dit, Clément a un style plutôt géométrique, as-tu des notions d'architecture ? Des notions d'architecture, non, pas vraiment, non, mais j'aime beaucoup l'architecture, donc j'aime bien me balader, regarder un peu les immeubles, comment c'est fait, mais vraiment d'un œil amateur, et puis parfois j'essaye de les reproduire, voilà, comme je peux, et voilà. Peut-être que la remarque aussi de TMPX vient de ton dernier projet. Peut-être. Par job teaser, ou pour le coup, on a plein d'immeubles, plein de... Exactement, ouais. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que j'aime bien dessiner soit de la nature, soit des villes. J'aime bien un peu mélanger aussi les deux. Et là, sur ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir un peu mixer les deux. C'est job teaser qui est venu me contacter via Instagram, et qui m'ont proposé de collaborer sur ce projet. En fait, le projet, donc c'est un test qu'ils vont lancer, qu'ils ont lancé actuellement, qui est disponible. Et en fait, c'est pour les gens qui recherchent leur voie professionnelle, qui ont des doutes, qui veulent peut-être changer. Ils peuvent aller passer le test et à la fin du test, vous avez, c'est un peu comme un test de personnalité, vous avez une personnalité qui est associée, donc c'est pour ça que j'ai dû... dessiner une trentaine là de portraits. De portraits. Donc de célébrités. Donc allez découvrir quelle célébrité vous êtes. Quelle célébrité par rapport à vos motivations, voilà, dans le job. Voilà, et puis peut-être que vous découvrirez que vous voulez faire autre chose, être apiculteur ou je ne sais pas. Je savais pas qu'il y avait, à part Maya l'abeille, qu'il y avait des célébrités dans le monde des apiculteurs. Non, je sais pas, j'ai dit ça un peu au hasard, mais il y en a sûrement. Et donc voilà, et donc c'est vrai que la première image, donc la grande héros image, donc qui représente un peu tout le projet, où on voit donc ce scientifique avec le petit robot qui représente un peu l'intelligence artificielle, voilà, qui est derrière, qui aide à chaque fois à trouver sa voie à travers le monde, voilà. Alors sur un projet comme ça, je pense qu'on regardera tout à l'heure comment t'as
comment t'as fabriqué ça directement sur ton écran, J'avais une base en croquis, comme on voit après. Un petit peu là, plus bas. Ouais. Voilà. Et ensuite, le croquis, je l'ai passé sur Illustrator, et là, j'ai redessiné un peu tous les tracés à la plume. Sur un projet comme ça, est-ce que c'est eux qui te proposent une charte graphique, enfin une charte couleur en tout cas, ouais, par rapport à ce qu'ils ont? Ouais, là c'était vraiment dans leur charte couleur, colorimétrique. Donc on retrouve leur vert, le rouge et un peu de bleu, enfin pas mal de bleu. Et non, là c'était avec leur charte, mais après on a pu quand même un peu rajouter de la matière, faire des associations de couleurs qu'il n'y a pas forcément eux. Dans leur charte. Ouais, c'est-à-dire que tu récupères le volume principal. Ouais. Exactement, et puis après, tu viens rajouter peut-être quelques couleurs intermédiaires aussi. Voilà. Le fait de travailler justement sur, non pas tes couleurs, mais les couleurs du client, est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt une contrainte ou justement plutôt un guide? Comment tu le... Disons que c'est plutôt... En fait, j'ai pas eu trop de projets en illustration, enfin en tout cas dans l'illustration que j'aime, enfin que je présente là, c'est pas trop des projets professionnels, donc là c'est un peu le projet, on va dire, vraiment professionnel qui est mis là sur le site, donc ouais. C'était pas contraignant, ça allait. c'était un peu dur de trouver ses marques au début aussi, d'arranger les couleurs entre elles. Ça demande, oui, effectivement, c'est de la contrainte, mais au final, on est bien content quand on arrive à s'en sortir de cette contrainte, et je suis assez content du résultat, et j'avais l'impression qu'eux aussi, donc c'était plutôt cool. Ce qui est plutôt sympathique dans ces cas-là. Ouais, c'était plutôt bien passé. Ouais. Parce que ce que je vois aussi sur tes contenus, c'est qu'effectivement, quand t'es sur tes illustrations principalement, tu vas jouer du contraste fort entre deux couleurs sans être sur du ultra saturé, alors que là du coup il y a plus de couleurs, plus de saturation, plus Ouais, c'était plus saturé, c'est pour ça que on a essayé aussi de, par exemple sur le bleu on l'a un peu descendu pour faire ressortir un peu le rouge et le vert sur Job Teaser, mais sinon en général effectivement j'aime bien bosser avec des couleurs complémentaires, voilà, ce genre de choses. Alors, je vois aussi que ton Tropical 7, ton jeu de feuilles de couleurs, toi, tu l'as travaillé sous plusieurs couleurs, plusieurs formes, et ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'on pouvait le trouver éventuellement à l'achat, donc pouvoir reprendre la dernière version, pouvoir travailler avec. Et du coup, ce que tu nous montrais dessus, c'est que, en fait, c'est un peu comme Batman, t'as deux identités. Ouais, exactement. Et une identité pour laquelle tu vas être, de ce que j'ai compris en tout cas, beaucoup plus sur la partie graphique, beaucoup plus sur la partie projet pro, collaboration. Exactement. Voilà, parce qu'en fait, comme on disait au début, moi je suis directeur artistique et illustrateur. Et sur cette autre facette de Beyoncé, c'est plus mes projets en direction artistique, en graphisme. Plus qu'en illustration. Et voilà, ce sont des projets plus professionnels, plus on va dire corporate, plus cadrés, voilà. Il y a des projets aussi un peu d'illustration, mais donc voilà, plus qui sont intégrés dedans. Est-ce que c'est compliqué pour un, quand on est illustrateur, quand on est aussi graphiste, etc., quand on a plusieurs casquettes, pour les clients justement de comprendre justement la richesse de cet ensemble de compétences? Est-ce que ou est-ce que quand tu bosses avec eux, ils disent ah bah toi t'es le mec qui fait des illustrations et tu fais que ça, ou toi t'es le mec qui fait du graphisme et, ça dépend des clients, voir les gens que je connais pas trop, et en général ils m'ont découvert par une facette, donc ils m'ont pensé que je fais qu'un style. Enfin, même la plupart des gens pensent que, enfin, voient mes derniers projets sur Instagram, ils pensent que je peux faire que ça. Alors que bon, j'aime bien un peu tout, toucher à tout et essayer de nouvelles choses à chaque fois. Voilà. Carrément, pas se reposer sur un style, continuer d'avancer. Ouais, exactement. Et là, je suis aussi là, sur Instagram. Parfois, j'essaye aussi des trucs plus au stylo aussi. Enfin, il y a des choses un peu différentes. Ouais. Carrément, carrément. Ça, c'est plutôt très, très chouette.
Ouais, donc ton Instagram tout à l'heure, Alex avait posté le lien. Vous le retrouverez dans la description hein, sur la chaîne. Du coup, tes trois dernières illustrations, donc on a analysé celle-ci, on a regardé celle-ci. On a regardé, ouais. Celle juste avant, par contre, là, c'est nouveau média pour toi. Exactement, c'est nouveau média, ouais. C'était mon premier test sur Fresco. La dernière version et c'était plutôt agréable à faire, donc pareil, jouer avec peu de couleurs et préparer une palette, anticiper la palette elle peut bouger pendant que je fais l'illustration. En général, j'essaie de choisir des couleurs assez contrastées entre elles, enfin en général, on va dire une couleur moyenne, donc là par exemple, donc c'est un bleu un peu profond quand même, une couleur un peu plus foncée, donc il y a un bleu plus foncé, une couleur un peu claire pour faire ressortir, une couleur qui contraste, donc là, on va dire le doré. Alors quand tu dis on va dire le doré, est-ce que tu imagines plus tard reprendre cette illus et faire une impression Peut-être, on ne sait pas, je n'ai pas de projet futur encore, mais... Peut-être. Parce que quand tu dis doré, je pense forcément à l'ami Mr. Cup, ouais. qui est fan justement de ce genre de truc, avec des embossages, avec de l'impression typo, avec des matières et autres. Et quand on dit doré, je pense à ça. D'accord. Non, c'est pas encore prévu, mais peut-être un jour, on sait pas. Faut que tu lances des souscriptions, il est fort à ça. Ouais. Il vient d'en refaire une sur son dernier projet de typo aussi, qui est assez cool, avec 36 posters de typo. Tu sais, il a tout un mélange de matières. Et cette fois-ci, il est parti. Hop, I am Mr. Cup. Voilà. Il est parti dedans pour faire cette chose-là. Ah, super beau. Et ça va être assez cool, je pense, parce qu'il y a à la fois des. Il y a à la fois des illus, il y a à la fois du texte, il y a du mélange. Et on peut acheter un poster à la fois, etc. D'accord. Donc ça va être... Trop bien. Ça va être cool. Bon, vous êtes grand, vous allez retrouver. Si vous avez envie de voir comment il fabrique et comment il stocke ses milliers d'images de référence sur son bridge, c'est aussi sur la chaîne YouTube. Il faut que je regarde ça aussi, parce qu'il faut que je m'organise aussi. Il faut s'organiser. Et Bridge, pour le coup, est hyper pratique pour ça. Et on avait eu cet échange-là avec lui sur la manière justement dont il allait piocher à l'intérieur de ses dossiers. C'était plutôt cool. Ok. Okay. Est-ce que dans les projets que tu as réalisés en illustration, il y a un moment où tu t'es dit, ça c'est un projet décisif pour moi, c'est une nouvelle étape, ou c'est par là que je... Enfin voilà, est-ce qu'il y a un projet pivot, est-ce qu'il y a un... J'essaye de faire en sorte que tous les projets soient un peu... chaque fois j'essaie de me remettre aussi en question et d'essayer d'aller un peu plus loin sur chaque projet. Et donc j'ai pas forcément d'exemple d'un projet où je me suis dit non là c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire et je veux pas en sortir. Donc il n'y a pas de projet décisif, on va dire, dans le sens où là je vais m'arrêter là et je bougerai plus et je ferai que ça. C'est renouvelé, j'essaye en tout cas. Et voilà, d'accord. Puis parfois j'essaie des choses un peu différentes là. Alors vas-y, pardon. Non, pas de soucis. Non, je pensais au cerf là, dans les bois. Ouais, là ça c'était assez marrant à faire, parce que là pour le coup j'ai pas fait de croquis de base ni rien, j'ai commencé directement sur Illustrator. D'accord. Et là on retrouve un peu les formes de plantes, etc. que je faisais, mais ça c'était vraiment les premières. Première version, c'était pas encore défini. Ouais, c'était pas encore défini, c'est vraiment au fur et à mesure, j'avance, je vois ce que ça donne, et puis ça commence à faire une sorte de forêt, et puis après, placer un petit cerf au milieu, c'était assez agréable à faire. Qu'est-ce qui te lance quand tu veux faire une illustration et que c'est pas encore une commande ? Est-ce qu'il y a des bases ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu regardes ? Est-ce qu'il y a des... Un peu, pas mal de choses. Parfois, je regarde pas mal de choses sur Instagram, sur Behance. Parfois je me dis ah c'est cool ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait et je me le garde en tête, je me dis ah moi qu'est-ce que je ferais si je devais représenter un peu la même chose, si par exemple quelqu'un a fait un paquebot et il trouve ça super stylé, moi je me dis ah bah
comment je traiterais le sujet si je devais être à sa place. Et il y a ça, ou alors je me balade et puis je vois un truc et je me dis, ah, c'est assez beau, qu'est-ce que je pourrais en faire si je commençais à le dessiner sur Illustrator, et qu'est-ce que ça deviendrait. Et puis après, c'est assez évolutif en général, chaque projet. Il y a pas, j'ai pas forcément un but à atteindre. J'essaie de me trouver une méthode, mais c'est vrai qu'elle évolue quand même à chaque fois. Donc, tu te laisses porter par l'outil au fur et à mesure. Ce qui n'est pas forcément bien. Enfin, disons que pour les projets pro, du coup, c'est un peu plus dur de s'adapter si on n'a pas vraiment de workflow. Donc là, par exemple, pour les projets pro, j'essaye vraiment de me dire, bon, bah, ça va être que du Illustrator. Et peut-être juste à la fin, une fois qu'on a tout validé, là, je mettrai de la matière sur Photoshop. Parce que si on commence à mettre de la matière et que finalement, le client revient en me disant, oui, mais en fait, j'aimerais bien que cet immeuble soit là, ce personnage, il soit plutôt comme ci, comme ça. Là, on s'est retrouvé à bosser pendant des heures à mettre des matières. Et en fait, ça servira plus à rien. Sailing, d'où ça te vient Tout à l'heure, tu parlais d'un paquebot. Finalement, tu as fait la version light du paquebot. J'ai fait le petit voilier. Là, je pense que je sais plus. J'étais retombé dans mes photos. Une fois que j'étais allé à Naples, il y avait une petite île à côté où il y avait comme ça une sorte de gros rocher avec des bâtiments dessus, et je me suis dit que ça pourrait faire une illustration assez chouette, donc voilà. C'est le cas, quand tu me dis paquebot, quand je regarde ça et tout, ça fait effectivement penser à toutes les séries d'illustrations de voyages, compagnie transatlantique et tout. Ouais, j'aime beaucoup ce traité aussi, ouais. Ouais, ça se ressent bien, c'est cool. Ruler Magazine. Ouais, alors ça, c'était un projet aussi sympa que j'ai fait cet été. Donc c'est le magazine de cyclisme qui m'a contacté cet été et qui m'a demandé un poster sur la course de Tour d'Italie, ouais, exactement. Et donc c'est là que j'avais commencé à dessiner ma typo coquette. Ouais. C'est les premières bases. Les premières lettres. Ça a beaucoup bougé depuis ou pas tant que ça. Quelques lettres ont bougé, mais donc c'est là que j'avais commencé à dessiner les lettres et je me suis dit, ah ouais, elles sont sympas, pourquoi pas en faire toute une typo. Ouais. Pourquoi pas aller plus loin et voir si le système fonctionne. Ouais. Parce que j'aime bien dessiner aussi mes propres typos sur des affiches. Alors ça va pas forcément faire une typo en entier après, mais dessiner aussi ses propres typos pour un projet, c'est plus cool. Ça doit être assez grisant, justement, de te dire, bah tiens, j'ai démarré sur quelques lettres et j'en ai plein. Ouais. Sur le baiser de l'ogre, pareil. Alors, le baiser, non. Non, ça, c'était une typo déjà dessinée. non, le projet, il y avait, c'était assez court en termes de délai, donc non, il n'y avait pas le temps de créer une typo pour ça. Mais c'était assez cool comme projet. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la page Instagram des histoires courtes. C'est eux qui m'ont contacté. C'était donc d'illustrer le début d'un roman, donc Le baiser de l'ogre, d'Elsa Roche. Et voilà, donc j'avais un peu la trame des premiers chapitres et j'avais un petit storyboard, enfin un pré-storyboard, on va dire. Enfin, en tout cas, un découpage par texte. Et c'est moi, après, qui suis venu illustrer ce petit texte. Voilà. Donc, c'était assez sympa. Donc, pareil, très peu de couleurs. Donc là, c'est très monochromatique, donc très, très bleu. Voilà. Et c'est quelque chose qui, du coup, ça a été publié ça a été imprimé ou c'est non, en ligne? Non, c'est qu'en ligne pour l'instant. On ne sait pas, peut-être un jour. Ça pourrait être chouette donner... quelque chose de plus gros, on sait pas, ça pourrait être cool. Donc les histoires courtes, c'est un compte Instagram où il bosse avec pas mal d'illustrateurs, il les contacte et il leur donne un petit texte. D'accord. Et chaque illustrateur propose sa patte et illustre la petite histoire. C'est souvent des histoires assez rigolotes. Des histoires courtes sur Instagram. Voilà. Donc il y a vraiment une variété de styles, énorme de styles. Ouais. Trop bien. Ouais. On regardera ça. Mathieu, t'es là. Ouais, voilà.
Et j'avais fait un premier projet avec eux aussi il y a quelques... Ça devait être au mois de mars, peut-être. J'avais dessiné un petit extraterrestre. Bon, ça doit être, loin derrière. En tout cas, effectivement, donc, ça permet si vous voulez découvrir de jeunes illustrateurs, ça peut être aussi un moyen. Et du coup, tu disais que c'était le début d'un roman, c'est-à-dire qu'il y a le reste de l'histoire quelque part ? Oui, bien sûr. Bah, vous pouvez acheter le roman... Qui est un vrai roman qui est sorti je pense en octobre ou novembre. Mais qui est sur les éditions des histoires courtes Non, c'est. Alors, les éditions, c'est. Voilà, j'ai perdu alors, du coup, c'est dedans, c'est précisé. Oui, c'est précisé. Hop, ça doit être tout en haut. Histoire faite maison. Non, si tu redescends. Redescendre sur, ah oui, non, sur le poste Instagram. Ah oui, c'est eux qui avaient fait un partenariat avec une maison d'édition en particulier. Et j'ai peur de dire une bêtise en disant non. On va trouver. Calman Levy, voilà. D'accord. Et du coup, chez Calman Levy, quand ils ont publié le bouquin en entier, il n'y a pas les illustrations. Non, c'était vraiment pour promouvoir la sortie du livre. D'accord. Et donc, il y avait un petit concours pour gagner un exemplaire du roman. Voilà, ouais, qui est très bien. C'est un bon polar. C'est très bien que tu as lu en entier. Ouais. Ah oui, j'ai lu en entier. Tu l'avais lu avant pour la. Pendant. On l'avait envoyé et donc j'avais déjà quasiment tout fini avant de finir le livre. Mais c'est très bien. J'aime beaucoup les polars donc ça m'a bien plu. Très bien, parfait. écoute, si tu veux nous montrer des petits bouts de process sur ton ordi, je suis assez ouais. Court. Je pense qu'on a. Réveille-le. Alors, ah oui, il s'est éteint. Bah oui. Hop. Il s'est mis en veille tranquille et tout. Hop. Si vous avez des questions à poser à Clément, c'est le moment. J'ai vu qu'il y avait une question sur Frida Kahlo et effectivement, c'était bien elle. Ouais. Bien deviné. Bien deviné, ouais, faut regarder tout ce que t'as mis sur le job teaser, vu qu'il y a l'ensemble des... J'ai pas précisé les noms sur le projet, donc faut deviner. Ah, c'est ça. Il y en a qui sont plus ou moins ressemblants. On peut jouer à ça, c'est-à-dire que vous regardez les portraits et vous indiquez... tu as dit combien, 30 ? Il y en a 30, ouais. Si vous trouvez les 30... Il y en a qui sont assez durs, hein. Il y en a pas mal que je connaissais pas avant, je dois avouer. C'est ça, il y a les évidents et les plus compliqués voilà. À retrouver. Tu devrais les poster un par un sur ton site. Ouais, sur Insta, ouais. Bah, je, un je par vois. Un sur Insta et dire devinez qui je suis. Ouais, un petit jeu. Tiens, je vais migrer sur ton écran. Alors, où nous emmènes-tu? Sur l'écran ou sur la tablette, qu'est-ce que tu préfères hein? On peut regarder un peu comment j'ai fonctionné sur certains projets. On peut regarder par exemple le projet. J'ai changé d'écran. Ce projet, on sent que tu avais bien aimé sur Instagram. Je vais vous montrer un peu comment j'avais fonctionné. En gros. Directement sur Illustrator du coup. Ouais, directement. Celui-là, c'était directement sur Illustrator. Donc c'est celui qui nous sert de fond en arrière-plan quand exactement. On est regardez, quand on est là, alors c'est pas du tout ces couleurs-là. Non. Il y a des couleurs Illustrator derrière. Pour il y avait un peu d'orange, donc... donc en gros, sur ce projet, l'idée c'était de faire un grand panorama pour qu'ensuite sur Instagram on puisse scroller. En fait, c'était vraiment utiliser l'idée c'était vraiment d'utiliser les 10 slides d'Instagram sur chaque slide raconter une histoire et à chaque fois que ça se enfin une histoire pas forcément une histoire mais que ça se suive voilà. Et donc j'avais fait un grand fichier Illustrator donc voilà qui prend toute la largeur tout le plan de travail et donc j'avais fait j'ai fait 10 plans de travail qui se suivent. Et ensuite j'avais choisi quelques couleurs donc j'avais pas mal j'avais cherché un peu. Comment tu fais une recherche de couleurs dans ces cas-là d'ailleurs? J'avais commencé à dessiner voilà donc là j'avais par exemple ici j'avais commencé à dessiner un ensemble de feuillage d'arbres etc et ensuite donc j'avais une première gamme de couleurs donc à chaque fois je me choisis une gamme mais elle peut à chaque fois évoluer mais c'est toujours le même nombre de couleurs donc en général 3 ou 4. Ouais, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as ton bleu principal, enfin ta couleur ta couleur dense principale en version claire et en version foncée. Exactement. Et une couleur très contraste, c'est une couleur papier. Voilà, exactement, c'est ça.
Et après, je fais pas mal de petits tests. Donc là, par exemple, sur cet ensemble, je suis là au début, j'en suis assez content, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Bah, avec Alt, je le duplique, je le mets à côté. Et là, j'utilise ma petite roulette qui est en haut et qui est assez pratique pour changer rapidement les couleurs sur tout l'ensemble du groupe. Ouais. Et donc là, je viens essayer quelque chose de plus foncé. Enfin là c'est plus saturé par exemple sur le bleu, quelque chose de plus foncé. Après je vais voir le orange et je me dis bah je vais essayer carrément autre chose, hop, du violet, voilà, je fais pas mal de petits tests comme ça, je me les mets à côté et après je choisis. Et ce qui est assez pratique c'est qu'une fois qu'on a choisi, on peut aussi changer sur toute l'illustration si on a besoin, on peut tout sélectionner. Hop, et tout changer directement. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise les calques sur Illustrator. Bon, là, ils sont pas très bien nommés. Mais en général, sur les illustrations, j'avoue que je nomme pas forcément. Oui, de toute façon, après la problématique de nommer les calques, c'est vrai que ici, on a toujours tendance à pousser les gens, genre nommer vos calques, mais c'est plutôt si tu dois fournir ton travail. Exactement. Hein. Sur mes projets en du X. Pour des sites, je nomme tous mes calques, il n'y a pas de problème, puisque forcément ça va servir à quelqu'un d'autre, donc il va falloir qu'il s'y retrouve, donc c'est tout bien rangé, etc. Là, quand c'est pour moi, je nomme pas forcément, et puis surtout que sur les illustrations, en général, il n'y a pas beaucoup de calques, et sur celle-ci, je crois qu'il n'y en avait pas spécialement besoin au final, parce que c'est... Celle-là, j'ai... Ouais, en général, je fais pour l'arrière-plan, pour le... second plan, premier plan. Et donc voilà, donc j'avais dessiné après directement sur Illustrator, et donc j'utilise ma tablette graphique en général, ou ça m'arrive de dessiner à la souris aussi, parce que comme c'est des formes assez simples, c'est pas forcément dérangeant de dessiner à la souris. Et quand t'es à la souris, du coup t'es sur t'es sur quoi, sur la plume, sur la courbure, sur la plume, j'utilise quasiment que la plume à chaque fois. Après ça peut m'arriver de faire des formes géométriques, donc avec les formes basiques et que j'associe entre elles, voilà. Bon, je sais pas trop quoi montrer exactement là, mais bon, voilà, j'utilise un peu de tout. Quand t'es sur une illustration de cette forme-là, donc là-dessus, c'est parti d'une idée. Il y a du croquis en amont. Sur celui-ci, il n'y avait pas de croquis. Après, comme je le disais sur Job Teaser, par exemple, j'avais utilisé un croquis. Alors, je pense que je dois avoir le. La base, ouais. Alors c'est. Il y a eu pas mal de retravail, mais on va dire que ça doit être ça, la dernière version. Il y a Johan Quinter qui est arrivé et qui demande si c'est des projets du X. Excellent. Il y en a aussi. Mais faut les... Ils sont cachés, ils sont directement sur d'autres plateformes. Des plateformes dédiées sur lesquelles on n'est pas. Donc voilà, donc par exemple sur Job Teaser, là, j'avais placé mon croquis tout en haut. Alors comme ça a pas mal bougé, c'est plus forcément la même chose. Mais en gros, j'avais placé mon croquis tout en haut. Et après, j'avais redessiné... en fait, à chaque fois, je le mets tout en haut de mes calques, en produit. Je baisse l'opacité, voilà, 60%. Et ensuite, je crée un nouveau calque. Je me fais un fond. Voilà. Donc là, par exemple, on va mettre un fond bleu. Hop, je vais créer un autre calque par-dessus. Et là, je vais commencer. Toujours bien penser à bien verrouiller tout pour pas pourrir le. Exactement. Hop, et là, je viens dessiner après mes éléments petit à petit. Et je monte comme ça. Hop, et voilà. Donc là, on a une base. Et on monte comme ça petit à petit. Tu fais ton croquis sur papier ou tablette Ça dépend. Je ne sais pas en template. De
qu'est-ce que je dois mettre en template, ton Illustrator. Ouais, non, ton calque, le mettre en template, c'est un truc qu'on utilisait beaucoup tout au début d'Illustrator, qui est moins utilisé maintenant qu'on a des modes de fusion un peu avancés, et qui permet justement d'avoir l'élément en transparence, noir et blanc et tout. Oui, non, c'est vrai que je le fais pas, mais bon, là, c'est assez rapide à faire, de mettre en produit et après en transparence, voilà, il n'y a pas de... Ces traits sont hyper droits. Ouais, bravo. Bah merci. Là, c'était à la tablette. Voilà, c'était sur celui-ci. Sur celui-ci, c'était directement à la tablette. Ouais, exactement. Bah sur Photoshop aussi, on peut tracer des traits droits. Mm-hmm. Voilà, à la tablette. Donc, je pense qu'il y avait une partie à la main que j'avais dû scanner et après retaper un peu au propre sur Photoshop. Pour incliner un petit peu l'ensemble. Ouais, exactement. Et je crois que j'avais fait aussi une version un peu avec des niveaux de gris aussi pour valider un peu l'ambiance générale. Ouais, voilà. carrément. Avec le client. Sur un projet comme ça, justement, puisqu'on avait parlé un petit peu d'architecture et tout ça, la perspective... Tu l'as géré à la main, immeuble par immeuble, ou tu t'es fait un plan de ton immeuble et t'as tout bougé derrière en Perse dans Illustrator ? Non, j'ai pas utilisé l'outil Perse. J'avais déjà bien dessiné avant. Ouais. Et après, je me suis servi. J'ai pas utilisé. J'utilise pas trop l'outil perspective dans Illustrator. En général, quand j'ai besoin de vérifier, je me trace. Je fais juste un point de fuite. Une ligne d'horizon. Et après, donc là, par exemple, si on dit que c'est le point, c'est le point là de la, comment on appelle ça, de la passerelle qui serait le point de fuite. Si par exemple, je fais n'importe quoi. Le piège. Si je veux tracer cet immeuble et que je veux être sûr qu'il soit dans la ligne. Mmh. Je prends tout comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, par-dessus, je viens prendre un outil rectangle. Mmh. Ah, et tu vas directement faire ton emporte-pièce. Voilà. Dessus. Et ensuite, je sélectionne les deux. Ouais. Hop. Attends, faut que je verrouille. Hop. Je sélectionne les deux tracés. Donc, le tracé qui est bien dans la perspective et le tracé qui est bien géométrique. Mmh. Je prends le Pathfinder et je viens prendre. Hop, l'intersection entre les deux. Comme et ça nous fait une face où on est sûr que ce soit dans la bonne perspective. Voilà, ensuite je viens dessiner la face qui elle par contre est horizontale, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et je viens la mettre en un peu plus foncée pour faire un volume. Donc, voilà, ça nous fait un petit immeuble. Ensuite je groupe tout, à chaque fois je groupe tous les éléments. Ouais. C'est assez important après pour s'y retrouver. Enfin, moi, ça, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Ouais, après, de me retrouver dans l'illustration. Ça permet de ne pas avoir à partir à la chasse qui est à quel endroit. Non, exactement. Ouais. Donc là, je pense qu'on peut, voir un peu sur le. Il faut que je retrouve. Sur le def. je me ressens un peu des calques. Attends, je vais fermer. Je vais le rouvrir. Ce sera plus simple. Il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle les vues dans Illustrator qui retient ça. Ah, peut-être. Ça, c'est un peu l'outil secret dans Illustrator. Je sais pas si je vais réussir à remettre la main dessus. Voilà. Par exemple, là, si je prends mon arrière-plan avec tous les immeubles, tout est groupé ensemble. Mm-hmm. Donc là, je double-clique, j'ai plus que les immeubles. Donc toute la structure qui est derrière. Et chaque immeuble, après, est groupé. Et si j'ai besoin de retravailler un élément, du coup, je m'embrouille pas avec les autres immeubles. Et ça me permet d'être plus clair. Mmh. Hop. Je vais juste vérifier si c'est bien ce que je crois. Hop. Alors, il y a une question pour savoir si on est obligé de passer par Illustrator ou est-ce qu'on peut passer par Photoshop. Pour ce genre de travail, je pense que c'est quand même mieux d'utiliser Illustrator. Je pense que utiliser Photoshop, ça va être assez compliqué, surtout. Du coup, l'avantage quand même d'Illustrator, donc c'est du vecteur, donc ça permet aussi de jouer à l'infini sur la taille. On n'est pas contraint dans Illustrator. Exactement. Ouais.
Ouais. Et puis, comme ça, ça permet aussi de déplacer rapidement, enfin, de réduire ou d'augmenter la taille de chaque élément assez rapidement. Alors que sur Photoshop, si on commence à dessiner un immeuble, qu'on le dessine en pixels et que finalement on se dit, bah, en fait, ce serait pas mal qu'il soit en premier plan et qu'on le grossisse comme ça un peu à l'arrache, ça va faire des gros pixels, va falloir tout redessiner, donc c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser Illustrator pour ce type d'illustration. Mmh. Et alors, je vois sur les portraits, il y en a qui ont bien reconnu, exactement, Eddie Lamar, cool. Cool, exactement. Tu vois, ça marche bien. Merci Chris pour le commentaire aussi. Alors pour ceux qui seraient intéressés, justement, vu qu'on parlait des vues dans Illustrator, je vous donne un petit truc et astuce d'un truc que j'aime bien, moi. Ici, par exemple, j'ai plusieurs calques qui ont été utilisés, qui ont été mis en place pour un boulot. Et parfois, je me dis, bah tiens, j'aurais besoin de revoir tout le temps la version couleur et travailler dessus. Donc je vais dans le menu d'affichage et je vais créer une nouvelle vue. Alors, c'est quasiment... Enfin, je connais personne qui l'utilise vraiment... Mais je connais peu de gens. Donc nouvelle vue, je vais lui dire bah là c'est daltonien, voilà, parce que je sais que c'était un peu l'idée de ce truc. Donc, et en fait, il y a quelques personnes qui voient pas du coup ce qu'il y a sur ton écran là. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de ce qu'il y a du tout. Ouais. Et du coup, si je veux voir juste la vue couleur du vert, normalement, hop, je peux lui demander d'aller chercher la vue noir et blanc. Ah non, attends, j'ai changé pardon. Oui, si j'ai rajouté celui-là. En fait, on va voir que là, j'ai sur la vue noir et blanc, j'ai le calque 1 qui est affiché. Sur la vue couleur, hop, je vais retrouver le calque du vert uniquement. Et on va avoir non seulement la vue sous cette forme-là, mais je vais pouvoir lui dire, en fait, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur un détail en particulier. Mm-hmm. Genre, je veux travailler que sur cette partie-là. Donc, couleur plus une position. Et là, je vais l'appeler zoom couleur. Hop. Ok. Et du coup, ben, je vais pouvoir lui dire, vas-y, reviens, s'il te plaît, parce que j'aime bien lui dire s'il te plaît, sur la vue noir et blanc. Alors, même si tout à l'heure je l'ai pourri parce que j'ai rajouté un calque derrière, c'était pas malin. Par contre, je peux aller voir le zoom couleur et je me retrouve non seulement la position et, et la mise en place dessus. Donc il y a ça, et au besoin, quand vous avez envie de travailler, ouais, vous avez effectivement cette organisation. La gestion des vues et vous pouvez supprimer telle ou telle vue à la fin. D'accord, ok. Et ce truc-là existe depuis super longtemps. Ah, je connaissais pas du tout. J'ai un client qui faisait de la carto et on avait fabriqué un script pour pouvoir afficher toute une série, genre si c'était les fonds de cartes, si c'était les routes ou autre. Mm-hmm. On avait fabriqué un script dédié pour ça. D'accord, ok, bah trop bien. Voilà. C'était le petit détail. Le petit tips. Ouais, ce qui peut servir sur des grosses illustrations, effectivement. Sur des grosses illustrations, quand on est en plein de détails et tout, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, je sais pas si toi, tu utilises aussi la palette navigation ou pas du tout dans Illustrator. Ça aussi, c'est un truc qui est assez fou parce qu'elle est complètement méconnue, je pense. C'est, je suis en train de travailler sur des petits détails à un endroit précis. Et j'ai envie de naviguer à tel ou tel endroit de mon illustre, je vais pouvoir le faire dessus. Mmh. Il n'y a pas de truc magique dedans. Hein. Je ne vais pas pouvoir lui dire, bah, tiens, j'aimerais bien, à part la couleur, je ne vais pas avoir moyen de retenir ça. Ça permet de se déplacer hyper rapidement. Non, je connaissais, mais c'est vrai que je m'en sers pas. J'ai le réflexe de dézoomer, rezoomer. Dézoomer, rezoomer. Ouais. Une fois qu'on prend les réflexes, c'est dur de passer à autre chose. Tout à fait. C'est la pizza. On parle de pizza. On parle de pizza, la pizza daltonienne. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement c'est bientôt ça. Midi. Hein. Chercher sur Bandcamp. Ouais, bientôt. Il nous reste encore un petit peu de temps. Couleur vanille qui nous si on commence à parler de pizza dès maintenant. On pourrait. Hein. ok. Tomate, poivron vert. On te connaît, c'est une pizza. Oui, non, c'est parce qu'il y a des gens qui vont y suivre. Et effectivement, Alex me dit à la manière des compos de calque dans Photoshop, oui, beaucoup moins puissant que les compos de calque. Beaucoup moins. Ça va moins loin que les compos de calque. On n'a pas toute la partie mise à jour d'une partie, mise à jour d'un élément imbriqué dedans. Ouais, ah, les compos de calque, ça peut aussi être. Ça peut être compliqué aussi parfois. Ouais, carrément. Mais c'est pratique quand même. Ouais. Mmh. Ok.
Bah, je sais pas après s'il y a un autre projet qu'on pourrait regarder. Vas-y. Réfléchis. Ouais, celui-là, alors c'est pas mon dessin préféré, mais il y a un côté intéressant sur la façon dont je travaille. Enfin, de pourquoi pourquoi j'utilise des calques sur Illustrator. Sur Illustrator, en fait, c'est pour après rajouter ma petite matière sur Photoshop. Justement, parce que ça, je pense que c'est une question qui arrive sur beaucoup d'illustrateurs. Mmh. De se dire comment tu transites d'Illustrator à Photoshop. Je pense qu'il y a pas mal de méthodes différentes. En tout cas, une que j'utilise, c'est les calques. Mm-hmm. Donc là, par exemple, j'ai mon dessin de base avec tous les calques. Ici, hop. Donc là, c'est des drapeaux, un escalier. Voilà, donc j'ai vraiment séparé chaque partie. Mm-hmm. Et ensuite, dans Photoshop, je suis venu, en gros l'idée c'était, je vais tout éteindre, c'était de vraiment d'importer, importer lié. Ouais. Donc là c'est UNESCO, hop. Donc j'importe et je lis mon fichier Illustrator. Donc ça c'est ma base. Hop. Donc ça c'est vraiment l'illustration quand il y a tous les calques. Et ce que je fais, c'est que une fois qu'elle est bien placée, je la duplique. La première, je la pixelise. Comme ça, elle va pas bouger. La base. Ouais, c'est ma base. Et sur Illustrator, je retourne sur Illustrator, j'éteins tous les calques. Hop. Au fur et à mesure. Bon, là, ça sert à rien, c'est le fond, mais. Là, par exemple, j'ai besoin de mon immeuble dans le fond. Hop. Un petit pommesse. Du coup, dans Photoshop. Et dans Photoshop, il va le mettre à jour et il va le laisser à la même place. Ouais. Donc là, j'ai mon premier élément, donc je duplique, je pixelise, exactement. Donc quand on fait ça, il faut avoir le bon format final aussi, travailler en tout cas sur un format assez grand pour après pas avoir trop de problèmes de pixels, etc. Mm-hmm. Par exemple, je vais mettre mon calque dans le fond de bleu, donc là, ça va être mon fond, et... Donc là, comme j'ai mon élément qui est bien découpé, ensuite je vais pouvoir dessiner directement dessus en rajoutant un calque que je mets en écrêtage. Et après, avec un petit pinceau, je vais pouvoir dessiner dessus directement et ça va pas dépasser. Voilà, ça, évidemment, ça c'est pas terrible. Mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà. Et au niveau des matières, en fait, moi ce que j'utilise, c'est assez simple. C'est d'ailleurs Atomic en avait parlé dans son. Ouais, dans sa session. Dans sa session, mais moi c'est vraiment le truc que j'utilise à chaque fois. C'est vraiment la première brosse, hop, que je mets en assez gros. Et que je passe ici dans le mode en fondu et ça nous fait une belle matière de grain qui est assez chouette. Vous voyez, ça fait pas mal, ça fait une texture assez cool. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que directement ici on peut jouer avec l'opacité et du coup avoir plus ou moins de grains dans son rendu. Carrément. Donc c'est plutôt cool. En termes de brosse, c'est des brosses que tu fabriques tout seul? La brosse de base et donc là voilà, passer en fondu. Et j'utilise pas trop d'autres brosses en fait que ça. J'ai commencé récemment à utiliser. Attends, c'était laquelle? Je sais plus, j'en avais essayé une nouvelle. Sinon, j'avais téléchargé le pack aussi. Les brosses de Kyle ou pas? De quoi? Les brosses de Kyle. Ouais, j'en ai essayé quelques-unes. Et j'ai aussi téléchargé le pack. Comment ça s'appelle? Distress. C'est le pack dont parlait Atomac, justement. C'est après son. Ouais.
Après, ça, après son session, passage, t'es allé regarder, je suis allé regarder, ouais. Je suis allé télécharger. Et c'est pas mal. Mm-hmm. Mais j'avoue que pour l'instant, je reste à ma petite brosse basique qui est assez cool. Mm-hmm. Et qui marche bien. Voilà. Il y a un bruit de fond style tambour. Ouf. Sur la... Ok, sur le live, aucune idée. Aucune idée. Je vais vous montrer un truc. Merci, merci Johan. C'est le plaisir. Super la méthode. Comme je t'ai vu galérer, sur... enfin pas galérer, mais en tout cas faire des passages très manuels entre ton Illustrator et ton Photoshop, ouais. J'ai juste remontré un truc. Ouais, bien sûr, s'il y a des méthodes... Donc je reviens sur la même, j'aime bien ce truc, c'était il y a longtemps, mais je me suis quand même bien amusé. Donc j'ai plusieurs calques, un vert, un rouge et un texte, par exemple. Donc comme toi, tu aurais tous tes calques sur le projet. Je me dis, j'ai besoin de travailler l'un ou l'autre pour de la matière. Dans Illustrator, j'ai exporté sous. Oui. Et exporté sous, je peux le sortir en PSD. C'est vrai que je m'en suis jamais servi. Okay. Tu t'en es jamais servi, mais regarde, là tu vas apprécier exporter en PSD parce que tu sais ce que tu vas sortir. Ouais. Tu sais si tu veux garder un modèle de couleur particulier, une réseau spécifique, parce qu'on a les 72, 150 et 300. Ouais, trop bien. Il va t'écrire les calques. Tu peux choisir si c'est modifiable, notamment quand il y a du texte dedans. Mm-hmm. Si tu veux, peux encore modifier le texte, etc. Quel type de lissage il va utiliser, et en fait la petite blague derrière, je sais pas s'il va réussir parce que je l'ai pourri dessus, non c'est bon, c'est que là j'ai directement mon fichier pixelisé, j'ai mes textes, j'ai du coup d'accord, mais du coup c'est tout est en pixelisé après, ouais d'accord, tout est en pixelisé, donc après si toi tu sais que tu as besoin d'avoir une version vectorielle, tu peux lui demander de pas peux continuer à importer, copier-coller ton objet dynamique dedans. Okay. Ça, c'est toujours possible. Et tu peux coupler ça sur la partie importation. Mais ça peut ça peut être une alternative dedans. Ouais, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal du tout. T'as vu, hein ? On a plein de jouets comme ça. On a plein de jouets. Et du coup, ce que tu m'avais dit tout à l'heure, c'est que toi, tu étais en train de te mettre à Fresco. Exactement, un petit peu en Illus. Ouais, donc on peut regarder rapidement. Vas-y, on va réveiller la bête. Ouais. On va réveiller la bête et on va check. Le lancer ici, c'est bon. Il l'a vu. Il l'a pas vu. Hop. Vas-y, réessaye. Si, c'est bon. Check. Voilà. Yes. Donc du coup, comme je disais, ouais, je m'y suis mis là que très récemment, donc j'ai pas beaucoup de projets encore, mais c'était plutôt agréable en tout cas de dessiner avec. Donc ça, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure sur Instagram. Sur Instagram. J'ai pas encore mis sur Behance. Alors petit sondage à main levée pendant que je vous tiens tous. Ouais. Est-ce que vous avez tous entendu parler un petit peu de Fresco ou pas encore? Dites-moi Fresco oui, Fresco non, FR, comme Fresco, pas comme Franck. Même si ça m'a fait trop plaisir quand ils ont sorti leur Bien sûr. Je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait des t-shirts, des tapolants et tout, je vais en mettre partout. Ah tu m'étonnes. parce que ouais, c'est vrai que c'est un peu le grand jouet du moment. Donc là t'es... vas-y, donc toi, sur Fresco, qu'est-ce que tu fais? Comment t'as bossé dessus? Du coup, là, celui-là, c'était vraiment la découverte, donc... J'ai pas vraiment encore de méthode, mais là j'ai utilisé que la brosse vectorielle, parce que je l'aime beaucoup, et en plus c'est vraiment cool parce qu'après ça te fait un fichier que tu peux modifier sur Illustrator, enfin tu peux une fois que tu l'ouvres sur Photoshop, ça te fait un objet dynamique que tu peux modifier, donc c'est plutôt cool. J'ai pas encore trop de méthode, mais c'est cool, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, c'est pas exactement les mêmes couleurs que ce qui a été mis sur Instagram, parce que en fait je trouve que quand on dessine sur iPad les couleurs elles sortent vachement bien, et une fois qu'on l'exporte les couleurs sont toujours un peu descendues, donc je la retravaille et j'essaye de nouvelles choses, et donc tu vois même à l'écran là c'est... Ouais, mais c'est... de toute façon, entre ce qu'on a sur ton écran en réel, ce qu'on retrouve sur l'écran de l'iPad qui est transmis et ce qui va être en ligne, je pense qu'effectivement il y a toujours une différence. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut toujours retravailler un peu derrière ce qu'on fait sur iPad, mais pour être sûr d'avoir des couleurs
qu'on apprécie. D'avoir les bonnes couleurs, exactement ce que tu avais en tête. Et du coup, là, j'avais un autre dessin que j'ai fait récemment. Donc, le mystère à Saint-Jacques. Pour ceux qui connaissent le podcast. Alors, où est Saint-Jacques et qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Du coup, Saint-Jacques, si je dis pas de bêtises, donc c'est en Bretagne. Et en fait, je connaissais pas la ville. C'est juste que j'ai découvert le podcast il y a pas longtemps et qui est assez sympa. Et du coup, en écoutant, je me suis dit, je vais faire un petit artwork. Et voilà, donc il n'y a pas. Voilà. Donc j'ai dessiné la ville sans trop savoir à quoi ça ressemblait pour de vrai. Sans savoir que ça existait pour de vrai. Carrément. Et voilà. sans savoir qu'il y avait une vraie ville. Une vraie ville de Saint-Jacques. Moi je pensais que c'était vraiment un nom inventé pour le podcast. Alors, pour ceux qui sont intéressés, Saint-Jacques, pas la ville mais le podcast, c'est François Descrac, c'est ça ? Ouais. Donc, qui l'a créé. Qui fait partie des youtubeurs. Exactement, et qui invite à chaque fois des intervenants différents et qui improvise une histoire. Bon, c'est un peu spécial, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas. Et donc, du coup, sur ce projet, j'ai pu tester les groupes de calques, notamment. On est sur ton écran, tout va bien. Donc, c'est pas mal sur Fresco aussi. C'est un peu pareil que sur ma façon de travailler sur Illustrator, pardon. C'est que je groupe les éléments, et Photoshop aussi d'ailleurs. Et ça me permet de se concentrer un peu plus sur chaque élément au fur et à mesure. Pas d'avoir une immense palette de calques dont on sait plus quoi faire. C'est vraiment, on peut aller en double-cliquant, hop, je rentre dans mon premier plan et je viens éteindre, allumer des différents éléments. Alors, voilà, je te donne un truc et astuce. Là, c'est le petit bouton qui est en bas dans le coin de ton Fresco. Si tu double-cliques sur un calque, il est affiché ou masqué. Ok, super. Là, je connais pas encore tous les trucs, mais ça manque parfois de. Enfin, c'est comme tout. T'as la prise en main qui est assez facile, donc tu te laisses porter, t'avances sur le truc. Et du coup, il y a encore plein de petits trucs et astuces. Et ce petit widget, donc, que vous pouvez déplacer dans le coin quand vous en avez besoin, parce que c'est plus pratique, par exemple, quand vous si tu dessines genre assis dans le canapé ou sur un siège du métro, t'es content de l'avoir en haut et de maintenir la tablette. Tu vas pouvoir juste appuyer dessus et double tape. Tu vas pouvoir changer, transformer ton pinceau en gomme, par exemple. Ouais, d'accord. Plein de petits trucs comme ça qui font gagner du temps pour dessiner rapidement, en tout cas. Carrément. Ouais. Donc du coup, c'est assez cool ce nouvel outil. Voilà, il y a encore pas mal de trucs à découvrir dessus. C'est cool. Ouais, moi c'est quelque chose qui m'a bien amusé de découvrir le mix entre la partie purement vectoriel qu'on a dans Illustrator et à moitié pixel. T'as déjà joué avec ça ou pas du tout? Les deux ensemble, non, pas trop. Non, pas encore. Mais parce qu'il est. Si tu veux, c'est l'occasion. Ouais, carrément. Mais puis je découvre aussi les masques. Les masques sont cool. Pour l'instant, on n'a pas encore à l'intérieur de Fresco, mais je sais que c'est une grosse demande, en tout cas des utilisateurs, de masques vectoriels. On n'a que des masques de pixels, on n'a pas de masque vectoriel. Donc on peut par contre prendre un calque de dessin vectoriel et dire ce truc-là, tu vas me fabriquer à partir de l'illustration que tu as en cours, tu vas me fabriquer tu vas me faire un masque à partir de ce qu'il voit là-dessus. Ouais. Et du coup, ce masque, ce sera forcément un masque de pixels, mais derrière, ça te permet justement d'aller donner des coups de brosse. Oui, d'accord. Alors ça, c'est des trucs qui peuvent être assez pratiques. D'accord. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a regardé pas mal de choses. Est-ce que tu veux dessiner ? Si on me donne un thème, pourquoi pas ? Vous avez 10 secondes pour donner le thème du dessin du jour. Est-ce qu'on pourrait tailler écran ?
qu'est-ce qu'on va te faire faire ? Je fais sans la courbe. Ce qui nous dit la modification des courbes vectorielles est aussi très attendue. Ouais, je confirme. Ouais. Je confirme. En plus, on a vu lors d'Adobe Max l'année dernière. Alors, Sandrine nous dit hot dog. Hot dog. Allez, bon, t'as essayer. Déjà fait du hot dog. J'ai fait longtemps. Ça fait hot dog, Statue de la Liberté, pizza et high tech. Waouh. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. On va essayer. Hein, mais... Les feux en Australie, en deux couleurs, ça pourrait être cool. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être beau. Mais c'est triste en même temps. Alors, je vais essayer de faire un peu de tout. Hein. On va essayer rapidement. Hein. Parce que là, en plus, je prends pas de modèle. Pas de modèle Statue de la Liberté, mais ça, on peut en trouver. Il y en a plein sur Behance. Hop, oui. Statue de la Liberté de mémoire. Ouais, là, de mémoire, c'est plus marrant. On peut faire un hop qui tient le hot dog. Et Guillaume Verber, c'est tout faire en même temps. Un papy penseur dans un fond rond, parce que c'est ce qu'il fait en ce moment. Mais c'est bon, on va pas faire tes devoirs non plus. C'est clair. Hop, hop, et là, elle tient une pizza. Parce qu'il y avait la pizza. Hop. Et. Et avec le feu derrière. Parfait. Comme ça, je pense qu'on a à peu près tout. Je vote pour l'Australie. Ah oui, bah. Ouais. Mais ça tombe bien. Ce sera pour une prochaine fois. On va essayer d'avoir un peu tout, mais ce sera pas du coup en Australie. Ce sera à New York. Mais du coup, ça devient un dessin un peu glauque, mais bon. Ouais, mais on arrive à le comprendre. Alors. Et donc, du coup, c'est un peu pareil que sur mes autres process. C'est-à-dire que je dessine un peu une base. Donc l'avantage c'est que là c'est transparent du coup tout autour, et donc après je viens le placer tout au-dessus de mes calques. Et là on vient choisir une couleur, donc on va dire la Statue de la Liberté, donc c'est vert, voilà, un peu comme ça, bleu vert désaturé, bleu vert, voilà. De toute façon après ça peut changer assez rapidement. Je viens de dessiner peut-être un petit peu mieux. Hop. Alors, tout à l'heure, si ça t'amuse, ouais. Je vais te montrer comment on flippe un dessin à l'intérieur de Fresco, parce que regarde sur mon écran. C'est le bras droit, ah oui, droit oui. Qui est levé. Ouais. Le drame. Mais c'est ouais. Mais c'est parce que c'est la Statue de la Liberté australienne. C'est qu'on la connaît pas encore. La liberté de la statue. Voilà. Ouais, donc Alexandre nous met le lien sur Illustrator qui est prévu sur iPad. Ouais. Effectivement, ça va être une grosse attente. Mm-hmm. Je pense qu'il y a plein de trucs dessus qui vont être assez conséquents, assez nouveaux, qui vont être assez intéressants pour tout le monde. Ça sent qu'on a faim. Hop. Donc une fois que j'ai fait mon contour, on a le petit outil de remplissage. Et mince, j'ai mal tu fermé. Ouais, je crois que j'avais bien fermé. Et non, il doit y avoir un endroit où il doit y avoir des trous. Exactement. Il n'y a pas de détection du contour comme on a dans l'Illustrator. Je sais pas si tu utilises ça aussi. Oh, bien sûr. Quand tu fais des tracés pas complètement fermés, il est capable de te dire où t'es bon ou pas. En parallèle, je vérifie pour pas dire de bêtises. Ce que j'ai sous la main, je fais la même chose ici. Hop. Et alors pour ceux qui se poseraient la question, qui n'a pas été posée encore, mais on ne sait jamais, pour l'instant Fresco il est disponible principalement sur iPad, mais il y a des versions de Fresco qui existent sur Windows. Donc si vous avez une tablette type Surface Pro, des tablettes Cintiq Mobile Studio, vous pouvez carrément essayer. En fait, il faut qu'il y ait la prise en compte du vecteur. D'un périphérique tactile directement sur la tablette, et du coup il le prend en compte.
Dans l'hémisphère sud, tout est inversé. Voilà, exactement. Bravo, Chris. Merci beaucoup. Un point de plus. Je sais pas si on met des points. On va mettre des bons points pendant les sessions. Des points pour ceux qui suivent, des bons points pour ceux qui donnent les bonnes réponses aux questions. Des points pour ceux qui donnent les bonnes questions. Ouais. Ça, c'est pas mal non plus. Bon, voilà, elle est pas... Oh, c'est vraiment dessiné. Ah bah c'est le risque, hein. C'est le dessin en direct avec des gens qui te regardent, d'autres personnes qui te parlent. Et en plus, t'es pas forcément exactement dans le même sens. Enfin, là, je vois que tu l'as posé sur la table et tout. Quand tu dessines avec l'iPad, tu dessines comment, enfin, quel type de position? En général, ouais, c'est plutôt, je la prends dans les, enfin, je prends l'iPad dans les mains. Ouais, je peux être aussi allongé dans le canapé. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Non, c'est vraiment cool, du coup, pour ça, d'être assez mobile. L'utostinato veut des images comme en primaire. Je crois qu'on a arrêté de mettre des bons points et des images dans les écoles. Non. Les enfants le vivaient pas toujours très bien, sauf notamment ceux qui en avaient pas. Oui, je pense. Là, on dirait un peu la côte néo-zélandaise après les incendies en Australie. Ouais. Il y avait des mecs au bout des nuages. Voilà, c'est assez agréable pour dessiner des tracés. En plus, il y a la pression. Donc, ça permet d'avoir différents niveaux d'épaisseur de traits. Permet de créer des drapés un peu sympa. Voilà. Voilà. Toi, quand t'es passé justement d'un dessin pur illustrator où t'avais à la fois la Wacom et à la fois la plume, vers un dessin où pour le coup on a vraiment plus que l'outil, enfin l'équivalent du pinceau blob brush. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui te manque vraiment? Est-ce que tu te dis bah, c'est cool, c'est une autre manière d'aborder l'illustre? C'est-à-dire, est-ce que ça me manque sur Illustrator d'avoir me manque d'avoir quelque chose de plus. Plus mécanique. Plus mécanique. Ouais, j'aimerais bien un mix des deux, mais après on peut quand même sur Fresco avoir quelques trucs un peu géométriques aussi. C'est un peu moins évident, enfin, c'est pas encore évident, mais avec les notamment avec les outils de sélection on peut rapidement avoir un cercle. Pour avoir le cercle parfait, je me sens plus. Il n'y a pas un cercle parfait? Si normalement c'est le cercle parfait quand tu maintiens. Tapis avant. Voilà. Et alors on peut faire du vecteur, donc là ça nous fait notre petit cercle parfait. Et voilà, il y a encore des réflexes à prendre de mon côté. Et alors deux questions. Une question de Séverine qui nous dit, petite question qui n'a rien à voir, mais comment tu fais quand t'as envie de dessiner mais t'as pas d'inspiration? Quand j'ai envie de dessiner mais que j'ai pas d'inspiration, bah je vois un document neutre, enfin vraiment vierge, et puis je lance des traits, ou alors je vais et puis après je vois ce qui en sort. Soit il y a ça, soit, comme je dis, je vais regarder sur Behance ou Instagram, ou enfin, vraiment dans mes refs, et puis je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que les autres ont fait, et qui est cool, et qu'est-ce que moi je pourrais... Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ça? Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu... c'est vraiment trouver de l'inspiration dans ce que font les autres, et tout, et d'aller regarder, d'être curieux, de se nourrir un peu de tout. Ce qui est cool aussi en regardant le travail d'autres personnes, c'est aussi de se dire comment eux ont résolu des problèmes. En fait. C'est vraiment
C'est marrant, c'est très design, enfin c'est très, très justement UX sur l'idée de parler de résolution de problèmes sur la création d'Illus. Ouais, c'est ce que j'aime bien essayer de comprendre dans ce que font les autres, c'est comment ils ont fait leur matière, comment ils ont dessiné, je sais pas moi, un mouton, un truc comme ça, en trois traits, et je vais essayer de trouver un peu pareil sur moi, mon illustration. Mm-hmm. Voilà. Et alors, est-ce que tu dessines en direct sur l'écran de l'iPad ou est-ce qu'il y a un film qui accroche pour la sensation du papier? Pour l'instant, c'est direct. Mm-hmm. je crois que j'avais entendu parler de ça, j'en ai pas mis, mais je pense que ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal, surtout que ça devient vite crade. Oui, alors après, ça reste encore un coup de chiffon. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de coups de chiffon. Mm-hmm. Et alors, il y a TMPX qui regrette le temps des coups de règle sur les doigts, mais chacun son truc. Ouais, je pense que c'est pas forcément indispensable. Non, et puis tu peux en avoir si tu veux, hein, toujours. Ouais, il faut les demander. Il faut les demander, ouais, c'est ça. Si t'es consentant, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Hop. Voilà, une petite pizza pepperoni. Comment tu choisis les valeurs, comment tu choisis les ingrédients sur ta pizza? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans une pizza? En vrai ou en dessin? En vrai. Je suis en train de gagner du temps pour tout à l'heure. Je t'expliquerai quand J'aime bien le fromage. Ouais. J'aime bien le fromage et j'aime bien un petit peu de viande aussi. Donc. Les règles du X. J'ai loupé des trucs là. Je pense que c'est parce qu'on a parlé du X. Ouais. Ça vous manque, hein, ça vous plaît. Je trouve que la glisse du stylet sur l'écran est perturbante. Alors pour le coup, Aline, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel auquel je me suis fait avec le temps. Faut effectivement. Après, ça dépend des tailles d'iPad aussi. Parce que sur les tout petits, du coup, on n'a pas forcément beaucoup de marge. Et sur les plus grands, on est peut-être un peu plus à l'aise en termes de taille, de dimension. Pour l'inspi, je prends un bouquin, un bestiaire médiéval, j'ouvre une page au hasard et je m'oblige à faire une adaptation du dessin. C'est cool, très cool. Ouais. J'aimerais bien voir ça. Très bonne idée. J'aimerais bien voir ça, mais je me dis que c'est bien aussi effectivement d'avoir des inspis, d'avoir des refs autres que sur internet, parce que effectivement on trouve souvent la même chose. Donc quand on suit quelque chose, après on a tendance à regarder aussi ce qui se fait exactement dans le même style. Donc c'est pas mal aussi d'aller fouiller effectivement dans des librairies, dans du vrai papier. Ou même trouver des un peu en se baladant, prendre beaucoup de photos et de se rouvrir les photos après et te dire comment je ferais ça, comment j'aurais fait ça à ma sauce en plus, parce qu'il y a vraiment ce truc là d'avoir une adaptation, d'avoir son style. Bon, je le redessinerai peut-être à la maison, tranquille. Au propre. Sans tous ces gens qui regardent sur ton épaule, j'en mets arrêté, mec. Et je pense que je prendrai des refs aussi. Parce que là, je l'ai fait un peu... De mémoire. De mémoire, ouais. Tu m'as un peu montré, mais... Ouais, parce qu'en fait, elle a un piédestal beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Ah, mais je l'ai pas fini, là, encore. Ouais, non, bah, on voit bien. On voit bien. Faudrait que je fasse. Est-ce que ça vous amuserait, les gens qui nous suivent sur la chaîne, si un jour on se faisait une session genre tout le monde dessine en même temps et on fait un rendu ensemble et revue des projets genre sur Instagram, on se laisse le temps de poster les trucs, tout le monde regarde. Je sais qu'ils font ça beaucoup sur la chaîne Behance et Creative Cloud. Ouais. Donc ils postent, ils travaillent en direct et ils font des revues de projets de tous les utilisateurs à la fin.
parfois on est sur des sessions qui sont du coup beaucoup plus longues, beaucoup plus denses. Je me demande si ça vous plaît, peut-être qu'on pourra faire ça un jour. Moi ça me plairait. Toi ça te plairait? Toi tu suivrais? Bien. On va lancer ça. On va lancer tout ça. Non. Allez, grave. Oui. Deux. Je sais pas à partir de combien. Je vais vous faire voter, mais pas là. Je vais vous faire voter dans les commentaires. Pas dans les commentaires du chat, mais directement dans les commentaires de la session. Vous voterez pour dire oui, je veux ça. Et vous avez intérêt d'être présent le jour où je fais ce sujet-là. Ouais. Parce que si c'est pour être juste en tête-à-tête avec Alexandre, ben on va juste se faire une... Non, il y a quand même pas mal de gens motivés, j'ai l'impression. Validés. Ça peut être cool. T'as des gens qui sont chauds, ouais. C'est bien. Hop. On va monter ce truc. Tout le monde dessine en même temps, c'est à essayer. Oui, on va pas tous dessiner sur le même canevas. Chacun aura sa page. Et il faudra que je trouve le bon système entre Insta, Beyond, c'est tout, pour que vous postiez tout ça. C'est drôle. Mm-hmm. On devrait faire y ça. Il n'y a pas les whips sur Beyond? Alors, il n'y a plus les whips sur Beyond. Ils avaient arrêté ça. J'étais tellement triste. J'étais tellement triste, je trouvais ça vachement bien. Sauf si peut-être ils l'ont rajouté, mais je ne l'ai pas vu revenir. Moi, je m'en étais pas servi. Mais... C'était un truc que j'aimais beaucoup et qu'ils ont enlevé. Le niveau CP en dessin est-il accepté? Ouais, pas de problème. Non, après, je vais pas obliger tout le monde à dessiner. Tiens, ton iPad est parti. C'est bon. Non, mais alors, c'est intelligent, j'avais pas encore vu. Il ne reproduit pas la partie clavier. Ouais, j'ai eu un peu peur de ça. Une seconde. Je l'ai vu assez tôt. Hop, regarde, on va se remettre là. On va repartager de ce côté-ci. Tu vois, il met juste l'avancée des chiffres. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, ouais, on essaiera de regarder. Si jamais vous êtes intéressé, d'ailleurs, pour le coup. En attendant, vous savez que vous avez la partie directe sur Beyond.net, sur les lives, et vous pouvez voir différents éléments. Ils ont fait tout un tas de sessions, que ce soit du dessin, du Photoshop. Par contre, contrairement à nous, où on est hyper cool parce qu'on vous parle en français, c'est que des anglophones. Donc voilà, faut se lancer. Ouais. Et c'est l'équivalent de ce que vous retrouviez autrefois sur la chaîne YouTube de Creative Cloud, avec un programme qui est extrêmement chargé, vu qu'il y a quasiment toutes les applications. Donc là on a du Photoshop, du XD, on a du Photoshop et du XD. Ben bravo les mecs, ça doit être une... on a eu un peu de Lightroom, un peu de Fresco, beaucoup de Photoshop, beaucoup de XD, ils aiment bien. Un peu d'Illustrator quand même. Ouais. Merci. Ah si, il y a quand même un peu d'Illustrator de temps en temps. Tout va bien. Et au pire, il y a des replays, donc il y a un programme de choses à venir, il y a eu du Premiere, il y a eu du After... des sessions de Jason Levine qui sont en général fort intéressantes, du premier rush, etc. Bref, de quoi se faire vraiment plaisir. Et si vous êtes vraiment en mode, nous, de toute façon, ce qu'on kiffe, c'est quand ça parle en français, vous venez sur la chaîne YouTube Adobe France. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous pouvez toujours vous y inscrire, vous abonner à la chaîne. Et quand vous regardez les prochaines sessions, vous pouvez définir un rappel. Comme ça, il vous enverra un mail pour vous rappeler que vous n'allez pas manquer le début. J'avais mis un rappel pour aujourd'hui. Ouais, bah il y avait un rappel. Ça n'a pas sonné au début de la session, donc je me dis qu'il manque quelque chose. L'autre chose, quand on n'a pas d'inspiration, c'est de mettre à jour son portfolio, chose que je n'ai pas fait depuis des années. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il faut se motiver, temps en temps, pour le faire. Uniquement sur la version mobile du smartphone, il me semble, pour les WIP. Ouais, ah, d'accord. Tout à fait. Voilà, il y a ça. Eh bien, merci beaucoup, Clément. Merci à toi, Franck, et merci à tout le monde. Vous avez tous été très cool. Ouais. On a eu plein de bonnes petites questions qui servent. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur qui il était, ce qu'il faisait et comment il le faisait. J'espère que les petits trucs et astuces, en plus sur Illustrator, vous auront dépanné et guidé. On va se faire toute une série de sessions sur la chaîne YouTube autour du jeu, parce que c'est un domaine qui m'amuse beaucoup. Que ce soit du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu dans un livre ou autre. Et j'espère que vous serez tous assez motivés
pour adapter ça pour les gens qui ont un contexte de boulot pas du tout drôle. Genre, vous faites du rapport d'activité. Ce que je vais vous montrer sur le jeu et sur le livre dont vous êtes le héros, par exemple, ça peut tout à fait s'appliquer à un rapport d'activité. C'est juste moins drôle. Mais... donc il y aura moyen de faire ça. Et pareil, je vais faire des très très vite des animations autour d'éléments de jeu, mais ça peut tout à fait être pour une application mobile, ça peut être sur ce genre de choses. On va refaire de la cartographie, mais pareil, cartographie de jeu. Voilà. Il y a un thème. Je pense que c'est la période post-Noël, je suis en mode j'ai envie de jouer, donc voilà, on va jouer tout ensemble. Bien. Eh bien, merci beaucoup Clément, merci à tous, et à très bientôt. Merci à tous, ciao.